Salut tout le monde, vidéo mise à jour de mars 2017. Et oui, ça fait super longtemps. Enfin, je pense que c'est super longtemps en fait que j'ai pas fait de mise à jour ou que j'ai pas forcément mis au point de ce qui se passe sur la chaîne parce que oui, la dernière mise à jour devait dater de novembre, je crois. Et depuis, bah, il s'est passé des trucs. Enfin, j'ai pas eu trop le temps de bosser sur mes projets que j'avais évoqués. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé un taf en janvier, à la rentrée de janvier là, 2017. Donc, alors c'est un temps partiel, etc. Ça me laisse quand même pas mal de temps, mais le fait est que voilà, j'ai pas mon temps libre, je maîtrise pas mon temps, je maîtrise plus mon temps, parce que là, mon temps est défini à travers mon travail, je dirais, hebdomadaire. Donc, bah, il y avait un peu le temps qui manquait, hein, lol, mais il y avait là, le temps un peu qui manquait. Enfin, genre, par exemple, bah, les mardis, je rentre à 18h30, donc j'ai pas trop envie de mettre ça, et des jeudi, vendredi, je me lève à 7h du matin, donc la veille, j'ai pas trop envie de tarder à écrire ou à faire des projets, voilà, je me mets un peu dans un petit confort. Donc voilà, mon temps est aménagé, en fait, donc voilà, ça me laisse moins de temps pour moi d'organiser. Bon, j'ai quand même des vacances, parce que je suis sur le rythme scolaire, hein, voilà, pour vous dire vite fait, donc j'ai quand même des vacances scolaires, mais j'en profite aussi un peu pour faire autre chose. Donc, mais voilà, donc, déjà, il y a le temps, en fait, qui joue. J'avais pas forcément envie non plus, enfin... Enfin, si j'avais envie, mais voilà, vous savez, enfin, il n'y a pas le temps, l'envie, machin, c'est un peu des trucs qui fonctionnent un petit peu avec. Et il y avait le fait aussi que j'ai d'autres trucs en tête, d'autres projets qui n'ont pas forcément à voir avec la vidéo, juste d'autres trucs en tête qui font que bah, ça prend du temps. Mais clairement, c'est parce que là, y a mon temps qui est encore une fois aménagé par mon travail et que du coup, bah, je ne peux pas trop organiser certaines choses concernant ça. Aussi, et bah, pour les mêmes raisons, hein, je fais un peu moins de vidéos. Enfin, pas exactement pour la même raison, mais il y a voilà, un peu moins de jeux vidéo découvertes, etc. Bah voilà, tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps, parce que bah, les jeux, bah, ça dépend pas de moi. Tout simplement, ça dépend des jeux qui sont disponibles et qui sortent petit à petit. Et ça dépend aussi beaucoup, parce qu'en fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, ou c'est pas tant le temps qui manque, parce que bon, bah, une vidéo découverte, ça peut juste peut prendre une demi-heure. C'est qu'en fait, mon PC est vraiment, vraiment, vraiment pourri. Ça, je ne le répéterai assez jamais. Et vraiment, genre... Parce que 5-6 jeux que j'ai fait, que j'ai enregistré, puis bah, quand je me mettais au montage, alors ça saccadait, ça laguait, c'était juste impossible à regarder de manière confortable. Déjà, et alors, enfin, j'ai quand même déjà sorti des vidéos pas très confortables à regarder. Et franchement, ça me saoule, quoi. Rien que pour moi, ça me saoule, donc j'ai vraiment pas envie de le poster. Alors que des fois, j'ai des trucs pas forcément intéressants, mais moi, ça me fait un peu marrer. Et vraiment des trucs, là, je voudrais vraiment le sortir de la vidéo, quoi. Mais je ne peux pas, en essayant d'avoir au moins un standard de qualité minimum, que je n'arrive même pas à atteindre parce que mon PC est vraiment pourri. Donc franchement, ça me fait beaucoup chier par rapport à ça, parce que j'aimerais quand même continuer un peu les vidéos découvertes. Quoi. Je le fais toujours, puis bah, finalement, il y a les trois quarts des vidéos, si ce n'est plus, qui passent à la trappe, parce que bah, voilà, la qualité est pourrie. Donc voilà pourquoi déjà la chaîne est un petit peu ralentie, quoi, et ça risque de durer encore, hein, dans la mesure où je suis encore sous contrat, etc., et que bah, j'ai vraiment d'autres trucs à faire, enfin d'autres trucs que je veux faire en tête. Donc, dès lors que ça restera un petit peu le même rythme, bah, la chaîne sera un petit peu au ralenti. Là, dans la période d'été, on peut se dire que bah, j'aurai 2 mois, si ce n'est plus, donc je pourrais vraiment me mettre à faire un projet, mais là encore, si ça dépend aussi quel type de projet, si c'est une vidéo, ça peut le faire, mais si c'est un projet de type les comptes du hasard, comme j'avais pu le faire l'an dernier, ouais non, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, c'est vraiment vous mettre un petit peu à jour par rapport à ça, je vais vraiment le faire. Mais aussi, du coup, si je vous en parle là, à cette période plus que j'aurais pu le faire le mois dernier, hein, parce que ça aurait très bien pu être l'occasion, c'est que j'ai quand même taffé un petit peu. Eh ouais, eh ouais. J'ai quand même bah, bossé sur une autre vidéo one shot. En fait, la dernière, c'était l'héritier de Colarion, et puis j'avais déjà évoqué que j'en ferais d'autres. Sauf que voilà, bah, vu mon temps était un petit peu pris, bah, ça avait ralenti. Mais j'ai quand même commencé à écrire, à réfléchir, à mettre des infos ici et là, à les stocker. Et bah, voilà, j'écrivais un petit peu, mais vraiment très très lentement. Et bah, là, il s'avère que j'ai un petit peu de temps, je me suis dégagé un petit peu de temps, je sais que je vais avoir un petit peu de temps. Enfin voilà, je me dis que là, dans les semaines qui vont venir, normalement, je vais pouvoir un peu m'y remettre. Le projet est pas ouf. Voilà, il demande le travail qu'il demande, tout simplement, mais je pourrais être... enfin, il est tout à fait réalisable dans un court terme. Donc en fait, là, ce que je vais essayer de vous promettre à travers cette vidéo-là, c'est comment dire, de là, courant mars, enfin, on est début mars, presque mi-mars déjà, ça passe vite. Alors peut-être pas, ouais, mars, avril, je sais pas. Mars, ça serait bien quand même.
de vous sortir là, une prochaine vidéo one shot en l'occurrence, donc univers cyberpunk, science-fiction, chronique du SI futur, enfin bref, j'y reviendrai de toute façon quand j'aurai terminé vraiment l'écriture et que j'aurai commencé à faire l'enregistrement pour vous en parler plus en détail, bien évidemment. Mais voilà, de ce qui devrait arriver à la prochaine fois sur la chaîne, en plus des petits jeux découvertes ou autres, si ça marche mon PC, si on a, etc. Une vidéo, voilà, one shot que je compte faire. Parce que ça me tient à cœur de le faire. Il y aura peut-être une autre encore que je voudrais faire, et puis après, je n'ai plus. C'est un genre de planning, si je peux dire comme ça. Où là, il me reste deux idées voilà, à développer. Il y a celle-là que j'aimerais faire là en mars. Peut-être l'autre que je ferai aussi encore, pareil, au même rythme, je dirais. Et après, je verrai bien ce que je ferai. Parce que c'est vraiment des vidéos que j'aimerais bosser dessus, quoi. Après, le résultat, je ne sais pas ce que ça donne. Hein. Je sais très bien que j'ai pas beaucoup de retours, pour pas te dire des fois aucun. Mais c'est avant tout pour moi que je le fais, quoi. Donc c'est important de m'y tenir, de me donner un petit objectif que de le sortir. Et puis bah, si derrière ça intéresse du monde, j'ai envie de dire banco. Banco, 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 banco. Donc voilà. Pour les infos, j'ai envie de profiter là de parler d'autre chose, mais bah, j'ai pas de trucs en tête concernant la chaîne. Hein. Là, franchement, la chaîne, ça se résume vraiment à vidéo découverte, jeux vidéo. Quelquefois un let's play, un truc où je sors un petit peu, c'est pas vraiment une découverte, c'est genre là, un let's play simplement, ou un mini let's play avec plusieurs épisodes. Et vraiment des vidéos là, de fiction, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire sur la chaîne. Bon, il y a peut-être d'autres projets qui pourraient subvenir, mais dès lors où ça demandera pas des moyens pas forcément financiers, mais genre avoir un temps, avoir prévoir un moment où il faut filmer, où il faut enregistrer du son, etc. Dès lors qu'il y aura plusieurs voilà, moyens techniques, humains ou quoi que ce soit à mettre en place, bah ça va être difficile de là où je suis localisé, de mes moyens en termes de temps, même en termes de financier ou technique, bah, je suis très limité, donc je me résume vraiment vraiment à très peu. C'est un peu dommage, mais après j'ai pas plus d'idées que ça non plus en termes de vidéos, quoi. Mais il y a de la matière à faire, hein. c'est pas les idées qui me manqueraient. C'est juste que là derrière il faut s'y mettre, et que je n'ai pas juste forcément envie de m'y mettre. Ni l'envie, ni le temps, etc. etc., etc. Voilà, 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 voilà. Je regarde le temps là, ouais, 7 minutes déjà. Non, je sais pas trop ce que je pourrais dire. Voilà, juste qu'il y aura une vidéo qui devrait sortir fin mars, début avril, j'espère sincèrement. Une vidéo one shot, voilà. J'essaierai de m'y tenir. Et puis voilà, franchement. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Et ben j'espère à très bientôt. Salut !